Ah, bonjour tout le monde, bonsoir mes amis. Et que le temps passe vite, ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas parlé personnellement. Donc, j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche à tous ici au Québec, au Canada. À l'heure actuelle, il est 6 heures. Donc, j'imagine qu'en France, on se retrouve autour de minuit. Alors, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre à partir de la France. Et sinon, bon matin à ceux qui nous écoutent demain matin. Donc, j'espère que vous allez avoir une belle journée pour le 5 octobre. Alors déjà, le 5 octobre, ça va très vite. Nous sommes directement dans la tempête et plusieurs personnes ont des sentiments bouleversés hein, ces temps-ci. On passe par toute la gamme d'émotions. Mais soyez confiants, mes chers amis, on est en route pour du plus. Tout fonctionne bien. À l'heure actuelle, on est directement dans la tempête, mais aujourd'hui, on va regarder un texte qui nous présente quelles pourraient être les possibilités qui vont s'ouvrir à nous suite à, aux révélations, suite à cette tempête. Je vais vous montrer un texte ici qui présente l'année 2055 et c'est principalement ce qu'on va regarder ensemble. Alors, il s'agit d'un grand-père qui parle à sa petite-fille qui aimerait savoir ce qui s'est passé. Alors, on va lire le texte ensemble. Et si nous étions ces braves de cette histoire? Je vous parle depuis le futur. Nous sommes le 27 août de l'an de grâce 2055. J'ai plus de 85 printemps et pourtant, il semble qu'à peine 60 se sont écoulés. Ça passe vite, hein, le temps quand même. Le soir offre un savant mélange de parfums puissants, d'une nature entièrement restaurée. Nous sommes en 2055. Un embrun marin et forestier qui, à lui seul, régénère entièrement nos cellules. Au loin, la cité resplendit encore la lumière. Tous les fanions des nations de la Fédération flottent au vent. Aujourd'hui, la cérémonie d'entrée de la nouvelle ère galactique a été historique et vibrante. Un jeune enfant a couru avec le drapeau de la nouvelle terre à travers villes et villages jusqu'à la capitale, sous les cris et pleurs de joie de la population, pour venir le planter sur le socle en haut des 333 marches du Palais Galactique. Une vasque éternelle s'est enflammée, inaugurant une nouvelle ère de l'âge d'or pour l'éternité. Une à une, les délégations composées des dignitaires d'Orion, de Sirius, des Pléiades, de Sagittarius, d'Arcturus, de Véga sont descendues dans leurs flamboyaux vaisseaux spatiaux sur l'esplanade d'atterrissage. Nous étions bouleversés d'apprendre que certains de ces très anciens dignitaires extraterrestres furent nos anciens dieux qui durent quitter la Terre à l'aube de l'histoire et d'apercevoir en vrai ces figures mythiques, nos dieux et déesses parents. Fut une émotion qui nous a tous submergés et transformés d'une manière impossible à décrire.
ils étaient accompagnés par les grands messagers qui ont servi eux aussi en leur temps sous d'autres noms pour rappeler leur lien céleste à l'humanité. Après la célébration qui dura 3 jours et 3 nuits, il me fallait m'éloigner dans la nature pour reprendre mes esprits. Je quittais la tribune des dignitaires et une part de moi qui avait connu les grands bouleversements semblait étrangement nostalgique. Je me suis engouffré dans mon aérodyne MHD flambant neuve, équipé d'un ordinateur de navigation à contact à télépathe. Démarrer, ai-je commandé au générateur, et j'ai gagné une altitude de 3000 pieds à une vitesse raisonnable pour admirer les rayons du soleil qui descendaient sur la noble capitale et ses montagnes au loin. Puis j'ai atterri dans ce champ sauvage auprès de l'arbre sacré. J'ai coupé le contact et refermé la porte qui s'est rabattue automatiquement avec un léger bruit électronique. J'ai marché lentement en caressant les hautes herbes sous le champ des grillons et me suis assis contre l'arbre de 2000 ans, ressentant toute sa sagesse et son énergie de lumière m'envahir. On sait qu'à Vancouver, il y a une forêt particulière avec des arbres qui sont là depuis plusieurs années et qui ont une énergie particulière de guérison. Dans le silence, quelques chants au loin, des cris d'enfants. Il m'avait certainement vu arriver. Une petite s'approcha toute timide. « Vous venez de la ville? » « Oui, très cher, je viens de la capitale. » L'un des enfants, plus perspicace que les autres, m'interrogea directement. « Vous êtes le général Kalin, c'est ça? Vous avez vécu le grand événement, le grand renversement? » « Ah bon, mon enfant, et qu'est-ce qui te fait dire ça? » C'est votre écusson sur votre aérodyne. Racontez-nous le grand événement général. Oui, s'il vous plaît, scanda la petite, s'il vous plaît, racontez-nous comment c'était l'époque d'avant. Eh bien, que puis-je faire devant tant d'enthousiasme? C'était une époque de grande turbulence, de troubles inimaginables, mon enfant. Des souffrances sociales, des pro-masques, des anti-masques, des policiers dans les rues, des gaz lacrymogènes. Croyez-moi, il y a eu, comment dirais-je, un basculement à un certain moment, en 2020. Je m'en souviendrai toujours. Les peuples du monde ont commencé à s'éveiller les uns après les autres, suite à une pandémie, dont on a appris plus tard qu'elle fut organisée de toutes pièces par des gouvernants de l'ombre qui tentèrent en dernier recours de créer une guerre civile aux USA et en France. Mais ce fut pour eux un fiasco. Les forces de l'ombre dirigeaient la Terre à cette époque. Les gouvernements de l'ombre ont dirigé la Terre pendant de nombreuses générations, mon garçon, exploitant les ressources, les biens et les personnes sans vergogne jusqu'à l'épuisement, fomentant des guerres et polluant la nature et les animaux par l'industrie du pétrole et du nucléaire. Les élites de ces gouvernements ont inversé absolument toutes les valeurs et les lois fondamentales. Ont pris en otage l'humanité en lavant le cerveau des gens grâce à l'abrutisseur mondiovisuel, autrement dit la télévision. Et ils ont fait en sorte de violer toutes les lois, ainsi que les lois naturelles, pour briser les familles, socle et force vive de la civilisation, la virilité et la féminité. Leur but étant à terme de détruire toutes les valeurs de bien commun pour réorganiser l'humanité selon de nouvelles normes restrictives de contrôle. Mais comment l'empire du mal est tombé, grand-père? Grâce aux braves,
de nombreux lanceurs d'alerte et soldats de lumière courageux. Jean-Jacques Crèvecœur de Full Life Channel, le docteur Tal Chaler, Emma Crouzy, Mohamed Diallo, les décodeurs et Léonard, et Dan Pilon, et Alexis Cossette-Trudel, et nous en avons autant, fils de pangolin, Minivert pour des traductions. C'était des gens formidables, des agents sur le terrain et des personnes de bien, éclairés et avisés de la situation sur les plans de l'ombre. À un moment clé, alors que la pandémie et les mesures restrictives sont devenues insupportables et violèrent totalement les droits divins de l'humanité, une vague de révélations spectaculaires a été déclenchée sur la réalité de la nature maléfique de cet état profond qui était toujours parvenu à se faire passer pour le camp du bien jusqu'à ce jour crucial d'octobre 2020. Même la presse et les médias n'ont pu nier les crimes internationaux que ce gouvernement de l'ombre avait mis en corruption avec l'industrie pharmaceutique criminelle. Des centaines et des centaines de têtes dans l'exécutif mondialiste tombèrent. L'obligation vaccinale et l'obligation du port du masque furent levées au grand bonheur du docteur Tal Chaler. Les contraventions furent remboursées au peuple. Des milliers d'agents de l'exécutif et d'élite qui travaillaient pour l'état profond furent neutralisés aussitôt. Ils eurent droit à un procès équitable devant le peuple. Ils furent tous considérés présumés innocents pendant l'étude de leur dossier avant d'être mis en accusation pour faits graves. Plus tard, un procès international historique eut lieu pour juger de tous les criminels de guerre pour crimes contre l'humanité. En même temps, il y eut de nombreuses interventions extraterrestres pendant le renversement. Des vaisseaux se livraient à de nombreuses allées et venues dans le ciel, prouvant leur existence à l'humanité tout entière et aidant à neutraliser les forces de l'ombre. En effet, celles-ci, sentant leur fin proche, avaient délibérément violé le libre arbitre terrestre en imposant un nouvel ordre mondial totalitaire par le biais du vaccin et de ses obligations sur la vie et la santé et d'arrestation de gens innocents et de lanceurs d'alerte. Et les forces de la flotte galactique n'ont ordre d'intervenir qu'en cas de viol du libre arbitre terrestre des droits et libertés, ce qui fut fait. C'était proprement inouï de voir ça pour la première fois. Personne ne s'y attendait vraiment. Mais ils étaient bien là, dans notre espace aérien. Quelques membres de l'état profond qui étaient passés entre les mailles du filet en créant un groupe clandestin de résistants ont voulu faire passer cette intervention de sauvetage comme étant une ingérence et une invasion extraterrestre délibérée mais sans succès. Nous avons ensuite appris qu'il existait une force spatiale secrète qui travaillait en coopération avec l'Alliance au sol et en lien avec la Fédération galactique. Pendant les arrestations et le grand renversement, nous avons pu bénéficier d'une couverture aérienne stellaire de milliers de vaisseaux de la flotte galactique. Ce fut tout simplement spectaculaire. Toutes les guerres et toutes les tentatives de déclenchement de conflits nucléaires en dernier recours par l'état profond se sont soldées par un échec. Les missiles ISBN furent neutralisés et tout le système est tombé en panne simultanément à l'échelle internationale après le démantèlement de toutes les bombes, toutes les armes que vous pouvez voir. Tous les conflits se sont arrêtés net. Les expériences sur les humains
et également transgéniques ont été stoppées net. Les activités criminelles de laboratoire neutralisées et leurs dirigeants entendus par la justice. Le système financier a été réinitialisé sur la valeur or et une somme gigantesque de plusieurs trillions de dollars d'argent volé par les élites corrompues fut rendue au peuple. Les salaires furent réévalués à leur juste valeur et comme nombre de métiers disparurent, dû à la révolution technologique qui facilita la vie et rendit du temps aux familles, un salaire universel global fut déployé. La criminalité s'est effondrée soudainement, car plus personne ne convoitait les biens d'autrui. Vu que chacun avait enfin de quoi prospérer normalement et vivre avec abondance. Au niveau politique, les nations sont redevenues souveraines. Il n'y a pas eu de gouvernance mondiale. Chaque pays et chaque citoyen sont redevenus souverains de leur destinée. Chacun a pu bénéficier de la liberté de déplacement et de la liberté de vivre où il voulait. Il y a eu aussi une remigration importante, car les générations qui n'avaient pas connu leur pays d'origine ont pu revenir chez elles et redécouvrir leur magnifique terre d'origine pour rebâtir, car chaque pays avait enfin la technologie et les ressources pour prospérer normalement. Puis toutes les autres divulgations ont suivi comme un jeu de domino. Les programmes scolaires ont été bouleversés. On apprenait la véritable histoire de l'humanité à l'école, celle qui avait été cachée, un peu de philosophie et de spiritualité. Des technologies propres, escamotées par les anciens gouvernements, ont été libérées. On parle de 6000 technologies l'année prochaine. Il a fallu 10 mois à peine pour mettre en route la toute nouvelle gestion des ressources bio-écologiques. Toutes les connaissances médicales cachées et efficaces furent aussi libérées et délivrées à la population. Les gens ont été aussi choqués d'apprendre qu'on leur avait menti à peu près sur tout, y compris sur la surpopulation. En effet, 95% des terres sur notre planète sont inhabitées. C'est quelque chose. Des centres de soins ont été créés pour guérir à la fois psychologiquement et physiquement ceux qui souffraient de post-trauma dû au grand renversement et de pathologies physiques. Il a fallu entièrement rééduquer ceux qui ignoraient encore ce qui s'était passé et pourquoi le monde d'avant marchait à l'envers de toutes les lois naturelles. La peur irrationnelle et les sentiments de division et de conflit ont été remplacés par plus de confiance et d'unité. Ensuite, pour l'alimentation, les circuits courts ont remplacé l'industrie agricole et les supermarchés qui ont été démantelés en l'espace de 6 mois seulement. Les grands constructeurs de voitures et de transports aériens se sont convertis en énergie propre et universelle à 100%. Les premières aérodynes ont vu le jour. La construction et le bâtiment ont bénéficié eux aussi d'une avancée majeure dans les techniques recyclables et bio-énergétiques. Et c'est ainsi que le monde a été littéralement métamorphosé en l'espace de 24 mois en organisation démocratique par et pour le peuple, présidée par un conseil de sages et un système bio-naturel bénéficiant des plus hautes technologies propres et opérationnelles dont certaines provenaient directement de technologies extraterrestres. Ensuite, nous avons vécu les premiers atterrissages de vaisseaux de délégations, des dignitaires issus de nations extraterrestres appartenant à la Fédération galactique qui ont organisé une grande célébration en hommage à tous ceux et celles qui avaient contribué à réveiller l'humanité en tant que volontaires sur Terre. Ce fut promptement émouvant et inoubliable. « Wow !» dit l'un des enfants.
J'aurais vraiment voulu connaître cette époque. Tu vois cette fleur? Quand une fleur ne pousse pas bien, ce n'est pas la fleur qu'il faut corriger, mais son terrain. Je soupirais. Oui, ce fut l'âge des héros et des braves. Ce fut un tournant mythique comme jamais il n'y en a eu et comme jamais il n'y en aura sur Terre. Le vent sur les sommets et le chant des grillons marquèrent un espace de silence dans le temps. Allez, il est tard, les enfants. Oust! Le soleil est déjà couché et les étoiles brillent. La petite tourna la terre vers la voie lactée. Mon papa va m'amener là-haut quand je serai plus grande pour rencontrer nos ancêtres. Nous avons tous rendez-vous là-haut, ma grande. L'aventure ne fait que commencer. C'est beau, hein? Alors voilà, mes amis. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite de profiter au mieux de ce temps de ressourcement. Profitez-en pour vous gâter, prendre du soleil, faire de la cuisine, faire du jardinage. Faites ce que vous aimez. Vibrez positivement. Je vous aime tous et je vous embrasse et je vous souhaite de vibrer positivement. Je vous souhaite une belle soirée, beaucoup d'amour à vous tous et on se retrouve pour notre prochain live le plus rapidement possible. Merci mes amis. Bonsoir.